Merci, Président. Bonjour, chers collègues. Vous le savez, nous avons fait du ferroviaire une brique essentielle de la stratégie de mobilité du territoire. Et il faut entendre par territoire un bassin de mobilité qui est bien plus large que la métropole grenobloise, s'inscrire dans l'aire grenobloise de mobilité. Le 9 février 2018, à l'unanimité, le Conseil métropolitain délibérait un vœu pour interpeller l'État sur le besoin d'investissement majeur dans le territoire si nous voulions utiliser pleinement les infrastructures que nos prédécesseurs nous ont laissées et qui malheureusement n'ont pas bénéficié d'un entretien à la hauteur. En avril 2018, le comité syndical à l'unanimité votait un plan de déplacement urbain qui faisait du ferroviaire l'armature principale du réseau de transport collectif de la région grenobloise. Autour de trois messages, du besoin d'améliorer la robustesse et la régularité des trains dans notre territoire de façon à ce que les trains arrivent à l'heure. D'un deuxième message, celui d'augmenter sensiblement la desserte périurbaine pour permettre à nos concitoyens, ceux qui font des dizaines de kilomètres par jour en véhicule motorisé, d'avoir une solution alternative aux véhicules individuels. C'est ce que nous avons appelé le RER à la grenobloise. Et le troisième objectif, évidemment, de diminuer le temps de parcours de la grande accessibilité du territoire, que ce soit vers Lyon ou que ce soit vers Paris. Récemment, lors de l'adoption du projet de loi d'orientation des mobilités, le législateur vient de demander aux territoires, dans leur plan de déplacement urbain, d'inclure systématiquement un scénario ferroviaire pour mobiliser justement nos infrastructures dans les stratégies de transition écologique et énergétique des déplacements. L'une de ces branches est dans une situation d'urgence. C'est la ligne ferroviaire des Alpes. Une situation d'urgence, puisque nous savons par SNCF Réseau que cette ligne est menacée de suspension à échéance 2020. Menacée de suspension parce que les investissements n'ont pas été réalisés et nous avons besoin, désormais, que l'État n'attende plus. Que l'État n'attende plus, puisque dans un comité de pilotage interrégional en septembre 2018, nous avions, avec l'ensemble des partenaires, reconnu l'enjeu d'aménagement du territoire sur la ligne Grenoble-Gap-Marseille. C'était en septembre 2018. Toutes les études d'ingénierie ont d'ores et déjà été menées par les partenaires du sud de la ligne pour la régénérer de Marseille à Gap et de Gap à Luz. Nous avons désormais une urgence forte d'études entre Grenoble et Luz. Sans attendre, l'État et la région ont indiqué la réalisation de travaux dès 2020 entre Jarry et Vif, et nous nous en félicitons. Mais l'engagement de notre conseil métropolitain lors du contrat de projet État-région a indiqué la disponibilité de la métropole à participer au financement de la régénération de cette ligne à une condition et à une condition explicite. C'est que la ligne soit pérennisée dans son ensemble. Si nous estimons qu'elle est l'une des branches du RER à la grenobloise jusqu'à Clèles pour renforcer le service à l'égard des périurbains, nous estimons tout autant important que l'intégralité de la ligne, pour sa grande accessibilité, pour son enjeu d'aménagement du territoire, comme pour son enjeu économique et de solidarité avec les territoires de montagne, soit assurée. L'État a mis 9 mois pour répondre à l'engagement qu'il avait pris en septembre dernier de lancer les études d'ingénierie pour réaliser les travaux. 9 mois, c'est beaucoup trop. 9 mois, c'est beaucoup trop parce que chaque jour compte si nous voulons être au rendez-vous. Mais aujourd'hui, la délibération qu'il vous est proposée, chers collègues, elle vise à confirmer l'engagement de la métropole avec l'ensemble des partenaires pour que nous puissions lancer désormais les études d'ingénierie de façon à réaliser les travaux sur la portion entre Vif et Luz, au-delà donc de notre territoire, et permettre
aux périurbains de pouvoir bénéficier demain d'une solution alternative à la voiture individuelle pour tout ce qui nous relie. Il s'agit désormais de lancer les études vite et que ces études permettent un phasage des travaux évitant toute suspension d'exploitation de la ligne Grenoble-Gap.